Le Togo va bientôt se doter d'un document de certification de 31 produits provenant de la transformation agroalimentaire. Les travaux de validation du nouvel outil réunissant plusieurs acteurs ont démarré lundi 11 novembre 2024. En effet, il s'agit d'un projet porté par la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement visant à améliorer la qualité des produits issus des très petites, et moyennes entreprises, particulièrement dirigées par les femmes et les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, avec les politiques de transformation structurelle de l'économie, on a de plus en plus d'activités, de projets qui font la promotion de la transformation des produits agricoles. Et donc aujourd'hui, qui dit transformation dit quand même ce respect de certaines normes de sécurité, de sorte à pouvoir préserver la santé des consommateurs. Et donc aujourd'hui, c'est une initiative qui vient d'abord pour améliorer la qualité des produits transformés par les petites et moyennes entreprises agricoles. Selon les autorités, cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Ce dernier, financé par la Banque mondiale, intervient par ailleurs dans l'amélioration des rendements et de la productivité agricole, la mise en place des infrastructures d'irrigation, le développement de la mécanisation agricole et l'accès aux intrants. Tout ceci pour garantir la conformité des produits aux normes internationales. Cette amélioration de la qualité va forcément avoir une incidence sur le revenu au niveau du secteur. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que la mise en œuvre de la zone de libre-échange au niveau du continent africain va pouvoir permettre à tous les produits manufacturés de connaître de nouveaux marchés. Mais pour pouvoir se vendre sur le marché international, même au niveau local, il faut quand même s'aligner sur certaines normes. Donc cette initiative aura à terme pour conséquence immédiate de pouvoir améliorer la valeur ajoutée des produits transformés au niveau du Togo. L'initiative, coïncidant avec le mois du consommé local, vise à promouvoir les produits togolais sur le plan national et international sous le label Made in Togo, répondant à des normes strictes en matière d'hygiène et de sécurité. Elle s'étend à 8 pays d'Afrique de l'Ouest pour prévenir et répondre aux crises alimentaires.